Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se lance dans l'ouverture d'un nouveau courrier. Et je dirais même mieux... De deux nouveaux courriers. Alors, c'est parti, on va regarder ça tout de suite ensemble. Allez, go. Comme vous avez pu le voir dans la petite intro, les deux courriers viennent de la même personne et c'est cette même personne qui m'avait déjà envoyé un courrier que j'avais gratté en vidéo, dont je vous mets le lien ici. Et cette personne, c'est Issoir Favre. Et pour ceux qui ne connaissent pas Fabien, c'est notre célèbre marin qui transporte du pétrole et des produits chimiques sur un bateau, comme vous voyez passer en ce moment. Et notre Fabien, ce coup-ci, il s'est pas contenté de m'envoyer un courrier, mais il m'en a envoyé deux. Et dans ces courriers, qu'est-ce qu'on a? Dans le premier, on a 2x20, deux tickets x20, accompagnés de mon jeu favori. Un méga mot, yeah! Comme vous le savez tous, les jeux qui contiennent des mots, ça marche pour véritable. Et dans cette fameuse deuxième enveloppe, on aura aussi 1x20. Donc 3x20. On aura aussi le célèbre jackpot. Et de nouveau, un méga. Mais Fabien, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et quand on fait le calcul, on en arrive à 40€ de ticket. Donc Fabien, ben merci à toi. Franchement, je sais plus trop quoi dire. Je crois que je reste un petit peu sans voix. Alors c'est parti, premier ticket. On commence donc cette série par le jackpot, un jeu que tout le monde connaît, plus besoin de le présenter. 5€ de mise, 10€ de gain minimum. Enfin ça, c'est ce qu'on espère. Et c'est aussi le ticket qui, soi-disant, nous donne les meilleures chances de gagner 100€. Mais nous, évidemment, ce qu'on vise, c'est les 500 000. Alors, c'est parti, on attaque nos numéros gagnants avec le 46, le 12, 29, 30, 31, non, pardon. 48 et 18. Ok, donc c'est ce qu'on doit retrouver dans la grille du dessous. Et puis, ben, si on les retrouve tous, c'est encore mieux. Alors, c'est parti, on y va. Bon, là, je rêve un petit peu. Le 19, c'est dommage, j'y ai presque cru avec le 18. Mais bon, on continue, c'est comme d'habitude. Un 41, je regarde pas si je l'ai parce qu'il y a 10 000 dessous. Donc, c'est pas la peine. Le 36, on l'a pas non plus. Et puis, le 31. Waouh, alors là, par contre, non. Mais évidemment, il y avait 10 000, pardon. Je m'égare. On attaque directement la deuxième ligne avec un petit numéro 17 à 100€ qui aurait bien fait plaisir, mais bon, toujours pas. Le 43 avec un 25, mais on n'a pas. C'est du 46 ou du 48. Ensuite, le 33 qui est inexistant aussi. Et puis le numéro 8, mais on s'en fout parce qu'en fait, on n'a pas d'unité. Alors on continue avec la troisième ligne, avec un 9, on s'en fout, autant que le 8, le 45, il n'y est pas puisqu'on avait le 46, avec un joli petit 1000 dessous, aïe aïe aïe, le numéro 4, toujours pas d'unité, mais là on avait notre fameux 500 000, tant attendu, et puis le 22, qu'on n'a pas non plus. Bon, alors enchaînons direct avec la quatrième grille, le 49, et de nouveau un joli petit 500 000 dessous, mais on avait un petit 48 de merde. Donc on continue avec le 47, toi il continue vraiment à nous foutre les boules, en plus 500, tu vois, ça c'était quand même faisable. Et puis on a le 1 avec le 15, mais on n'a toujours pas d'unité, donc ça sert à rien. Et le 34, à la place de quoi? De rien. Puisqu'on n'a que le 30. Bon, ben voilà, donc dernière ligne et dernière chance de gagner au moins 10 petits euros. Alors, on y va, on continue. Et puis, on a le 28, le 32, le 5 et le... C'est foutu. Ben voilà, pour le jackpot, c'est cuit. Allez, c'est parti avec le premier ticket de ces x20. J'espère que ceux-là, ils vont me rapporter quelque chose. Personnellement, j'aimerais bien voir apparaître un sigle x20 avec 5000 dessous. Ce serait pas mal. Alors, c'est parti. On va gratter nos numéros gagnants. Donc, quand on regarde, c'est exactement la même chose que le jackpot. On a nos numéros dessous et puis on les retrouve dessus. Ils se cassent pas vraiment le cul. Hein. Alors, première ligne, on y va. Et on a un x1. Alors bon, là je suis tout fou, mais c'est normal parce que la première case, j'ai déjà un gain. Ça, je crois que ça m'était jamais arrivé. Alors là, c'est plutôt cool. Et du coup, je suis plein d'espoir et plein de motivation pour la suite de ce grattage. Alors, on y va. Avec
Un 55. Non, on avait le 54. Ah, c'est dommage. Oh, en plus, il y avait à peine 100 000 dessous. Bon, c'est pas grave, on continue avec le 6, mais on a que le 9 en unité. Et puis, on enchaîne avec le 18, mais ça, on en a carrément pas. Bon, alors du coup, on continue avec le 29, mais on n'a pas non plus dans les vingtaines. Le 16, tu vois, ils m'ont donné 5 balles au début, puis maintenant... Ça... Alors, on a le 39, mais bon, bah le 39, il y est pas. Oh, merde. Alors, le 21, bah toujours pas de vingtaine. Eh, vas-y, alors là, une bombarde de vingtaine. Des 30 aussi. Allez, encore du 30. Bon, alors, j'ai pas commencé à me plaindre. Merde, c'est le deuxième ticket et j'ai 5 euros. Alors, on continue. On a le 54. Il y avait 20 000, hein. Le 9. Alors, on a le 9 et de nouveau, j'ai 5. Alors, c'est cool, le 9. Là, on a 10 euros déjà. Alors, c'est plutôt sympa, là. Waouh. Est-ce qu'on est parti pour faire un festival dans cette vidéo? On va voir ça tout de suite. Alors, on continue, les deux autres cases. 1,42, voilà, on n'en a pas. Et puis, les 30, on sait qu'on n'en a pas du tout. Alors, on continue avec le 60. Alors, non, ça n'existe pas sur notre ticket. 1,47, mais là, c'est entre les deux. Hein, pourtant, un petit 15, ça aurait été cool. Là, d'un seul coup, ça nous montait à 25. Hein, on va pas être gourmand tout de suite. 1,45, non. Et... Non, bon. 1,37. Mais bon. Alors là, attention. Gagnant. On va pas tout de suite ouvrir la bouteille de champagne parce qu'il y a que 10 balles, mais bon, c'est déjà cool. Allez, on passe au suivant. Alors j'espère que ce deuxième x20 va être aussi prometteur que le premier, et beaucoup plus évidemment, parce que là on s'est fait 10, mais là maintenant on aimerait bien quand même passer à un cran supérieur. Alors, nos numéros, 42, 36... 16, 14 et 27. Je sais pas pourquoi je les cite, parce que généralement, vous savez lire. Bon, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. Allez, on attaque la première ligne avec un 17 à la place de notre 16. Et un petit 1000. Ensuite, le 37 à la place de rien du tout. Ah si, le 36, bon, il y avait 5. Le 45 et puis le 32. Bon, pour l'instant, on n'a rien. C'est pas grave, on perd pas espoir. Hein. Moi, là, je suis à fond maintenant. Le 23, un tout seul, le 60 et puis le 33. Voilà. On continue, troisième ligne, le 38, 26, 41 et... Bon, là, par contre, on tourne pas mal autour. Hein. Je crois bien que ce ticket, il est raide. Hein. Quand ça tourne trop autour comme ça, hein, le 17 à la place du 16, le 26 à la place du 27, etc., etc., généralement, c'est pas bon signe. Alors, on continue. On a le 21. Là, 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 là. Et puis le 59, mais on n'a pas de cinquantaine, donc hop, et là maintenant, il nous balance des 50 à foison. Alors, on continue, quatrième et dernière ligne, là, ce sera le 48, hein, et voilà, du 50. T'en veux-tu, en voilà. Le 9 de tout à l'heure qui nous a fait gagner, mais pas sur ce coup-là. Et puis, un petit 49 qui nous rapportera rien. Allez, on passe au troisième direct. Allez, dernier fois 20, et on va essayer de garder un petit peu le rythme, parce qu'après, je vous rappelle qu'on a quand même 2 mégamots, et si on traîne trop, je vais être obligé de faire une vidéo exprès, rien que pour ces deux tickets. Allez, c'est parti, les numéros gagnants avec 17, 13, 39, 1, 44 pour finir. Alors, on attaque direct la première ligne et on aura 1,60, d'accord. Donc là, on est vraiment très très loin et... Oh merde! Waouh! Alors, on a 1 x 1 avec 10 euros déjà dessous. Merde! Oh là, j'hallucine parce que je suis déjà à 20 euros de gain. Là, c'est plutôt incroyable, hein. Je sais pas ce que nous réserve la suite, mais j'espère que ça va être encore meilleur. Alors, on continue avec le 36. Non, on l'a pas. Le 37, on l'aura pas non plus. C'est pas grave. Allez, déjà 10 balles, c'est cool. Le 33, il n'y est pas. 28, 19 non plus. Et puis, on n'a pas de cinquantaine. Waouh, déjà 10 balles. C'est plutôt cool. Par contre, j'aurais bien voulu voir là 1 x 20. Et puis, ça nous aurait fait un petit 200. Ce qui aurait fait le gain le plus gros de la chaîne. Mais bon, troisième ligne, 52. On n'a pas de cinquantaine. Alors ça y est, les 50 c'est parti, 1,43 à la place de notre 44 et 1,49. Est-ce qu'ils vont faire comme tout à l'heure, nous donner un petit deuxième gain? Ça serait plutôt sympa. Allez, le 38, on n'a pas, on avait le 39, le 29, on n'a toujours pas de cinquantaine, et puis on a un 21 mais qui n'existe pas, dommage. 1000 balles. Le numéro 6, donc on a que le 1, le 40, non, allez, un petit dernier gain là, 42, non plus, et allez, non, 1,35.
Mais bon, c'est pas grave, puisqu'on a de nouveau gagné 10 euros. Alors là, c'est plutôt cool. C'est pour ça que j'adore les x20, franchement, c'est génial. Bon, ben, c'est parti pour ce premier méga mot croisé. J'espère qu'on va pas trop en chier, enfin, surtout moi. Et surtout, j'espère qu'il va me rapporter gros. Comme ça, au moins, je me serais pas emmerdé à gratter tout ça pour rien du tout. Allez, j'arrête les conneries. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses et on gratte notre première lettre. C'est parti. Avec la lettre H. La lettre H, est-ce que c'est une lettre répandue? J'en sais rien. Mais on la trouvera quand même dans le mot hier et honoré. Et puis, si je continue... Mon Dieu, quelle galère, j'en suis qu'à la première lettre et je suis déjà en train de transpirer. Allez, faut que je me reprenne quand même un petit peu parce que là, c'est que le début et il y a en plus deux tickets. Alors, pour la lettre H, j'ai bien l'impression qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, on verra bien si je retombe sur une pendant le jeu. Allez, on continue. Deuxième lettre, la lettre S. Alors ça aussi, normalement, il y en a plutôt pas mal. Alors là, ça y est, ça commence. Dans lexique, et puis assiégé. Voilà. Et puis, si je continue, on l'a dans cargo. Tiens, ben Fabien, tu vois, un ticket qui t'est dédié avec le cargo. Et puis, ça fera aussi pour le mot sourire. Et puis, on a aussi le mot use, ou user, j'en sais rien. Et si on continue dans la deuxième grille, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième grille? Alors, dans la deuxième grille, par contre, c'est tous des trucs au singulier. Hein. Si on dit, on va pas mettre émetteur au pluriel, coq au pluriel, monarque au pluriel. Non, non, c'est du singulier, donc déjà, il n'y a pas de S. Mais par contre, dans le jeu numéro 2, waouh, on a un S dans le mot clos. Et puis, on en aura un aussi dans le bonus, loisir. Eh, c'est 50, moi, le bonus, ouais, ouais. Alors, le bonus, franchement, ça me branche. Je viens de me réveiller, là, à propos de ce bonus. Ouais, ouais, ça, c'est génial. Là, et puis, ensuite, on en aura un ici, dans ces sereins. Sereine, hein, sereine. C'est une fille qui est sereine. Hein, dans lumière, et là, bah, des lumières au pluriel, hein, forcément. Et c'est tout pour la lettre S. Alors, bah, on va se dire que c'est déjà pas mal. Et on continue avec la troisième lettre. C'est la lettre C. Dans cargo de nouveau. Est-ce que c'est un signe, Fabien? On va tout de suite voir. Hein. Enfin, on va tout de suite. Faut d'abord que je finisse de gratter tout ça. La lettre C. Et on en retrouvera une aussi, du coup, dans le mot coq. La deuxième grille. Et puis, pour la troisième grille, aucun C à l'horizon. Et puis... Oula! J'ai oublié le C ici de clos. Alors là, on se rapproche méchamment de ce gain-là. Hein. Alors, est-ce qu'ils nous font baver comme d'habitude? Puis de ça, il va me rester soit le L, soit le O. Bon, on verra bien. Quatrième lettre, avec la lettre G, dans le mot assiégé, qu'on trouvera première grille, et aussi dans le mot grive, et qui continue de compléter le mot cargo. Donc c'est plutôt cool. Hein. Ensuite, la lettre G. Hein. Alors, la deuxième grille, j'ai l'impression qu'on va pouvoir l'oublier. Et puis, dans la troisième grille, on aura un G dans inégal. Inégal. Et c'est tout. Bon, un petit peu radin avec la lettre G, mais bon, ça change pas. Ou un V. Alors là, on commence avec des lettres de merde. Et puis, le V, on va quand même le trouver dans grive. Merci, la FDJ. Ils nous ont mis un petit V. Est-ce qu'on en aura un dans la deuxième grille? Je crois pas, hein, parce que dans la deuxième grille, on peut oublier de gratter. On a un Z, hein, au cas où on sortirait un Z. On a un Z. Et puis la lettre V, on l'a quand même dans olive. Waouh. Voilà, olive. Et oulala, et vite. Alors dis donc, qu'est-ce qui leur arrive? Alors 3V, c'est plutôt exceptionnel. Par contre, du coup, je touche plus à mon jeu 2 et à mon bonus. Hein. Allez, on continue avec la lettre D. Et là, bizarrement, je l'ai pas dans la première grille. J'ai rien dans mon jeu 2. Ah, super. Dans la deuxième grille... Je vois aucune lettre D non plus. Non, non, sérieux. Et puis, dans la troisième grille, pas de... Ah si, oulala, j'allais le louper. Dans quiétude. Hein. Alors voilà, on en a quand même un, super. Mais par contre, toujours rien dans mon fameux bonus. On enchaîne. Avec la lettre T. Alors là, je sens que je vais me faire chier. Et on l'a déjà dans le mot art et tribu. Dans le mot fête. J'espère qu'on va pouvoir fêter après ces tickets. Une fois que j'aurai été les encaisser à la FDJ. Évidemment, la somme sera tellement énorme, là, c'est plus au bureau de tabac. Quoi. Et puis, on aura le mot... pardon, la lettre T dans le mot parfait. Et puis donc, émetteur, ils nous en ont mis deux. On commence à ronger un petit peu la deuxième grille. Dans mon jeu numéro 2, j'en ai pas. Et puis dans le bonus, j'ai l'impression que je vais pouvoir oublier. Mais bon, ne baissons pas les bras trop vite.
Voilà, ici, dans Évite, et puis d'Inquiétude, j'en avais aussi un. C'est terminé pour la lettre T. On enchaîne avec la lettre O, qu'on trouvera dans notre cargo. C'est cool. Sourire et zone. Et là, clos. Alors, du coup, maintenant, on a enfin l'espoir d'un gain. Ici, si on décroche la lettre L. Alors là, c'est plutôt sympa. Du coup, j'ai perdu un peu le fil. Je cherchais la lettre O, qu'on aura dans loup. Et oui! Et puis, olympique. C'est ça, hein? Olympe, tout court. Olympe, tout court. On l'aura aussi dans monarque. Voilà. Honoré, il y en a deux. Alors là, du coup, on s'excite à fond sur la grille numéro 2. Ouh là là, ouais, hein. Là, dans rock, dans coq, il y a que des O, en fait. Et puis, on touche enfin à notre bonus avec la lettre O. Et puis, on attaque la dernière lettre de la première ligne avec un A. Ouais, bon, de toute façon, ils nous font toujours le coup, donc c'est pas la peine de s'emballer. Mais on le trouvera dans assiéger, cargo et art. Alors là, on a pas mal de mots qui se dessinent hein, pour finir. C'est tout pour la lettre A, il n'y en a pas tant que ça pour finir dans la première grille. Dans la deuxième, on en aura dans parfait, deux, ce qui en donne un dans monarque et puis un autre dans porta. Ça doit être un verbe conjugué, je pense. Léa, on n'en a pas dans le jeu numéro 2 ni dans le bonus. On en aura un ici dans inégal. Et puis c'est tout. Donc pour finir, ils sont pas trop emballés avec Léa. D'habitude, c'est plutôt le contraire. Allez, on attaque la deuxième ligne avec un I. Alors, le I, on en trouvera un dans esquif. D'accord. Esquif. Esquifons, les gars. Et puis, dans grive. Alors, voilà. Grive ici. Et puis, assiégé. Sourire. Oh, lexique, j'avais oublié. Je suis passé à côté. Donc, les I pour la première grille, il y en avait plutôt pas mal. Ouh, je vais tout de suite gratter dans le bonus parce que là, ça me branche. Voilà. Là, c'est plutôt cool, ça commence à me faire plaisir, plus qu'un L et un R. Et d'ailleurs, le L nous donnerait aussi le gain du jeu numéro 2. Alors, perdons pas le fil, le I, on l'a dans oui, mais on n'a pas gratté le U, ça c'est sûr. Ensuite, on a dans parfait, et puis là, ce s'arrêtera, dans lumière, ainsi que dans inégal, et puis sereine. On gratte le I, quiétude, ici, pli. Et puis donc aussi pour le mot évite. Et ce sera tout pour la lettre I. Mais c'est déjà pas mal et surtout là, j'ai l'impression qu'on se rapproche de mon bonus à grands pas. On y va. Avec un E. Aïe, 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 aïe. Alors le E, bah, on l'a ici. On va prendre tous les mots parce que sinon je m'en sors pas. Allez, c'est parti. Et ben voilà, les E sont tous grattés, alors du coup j'ai rien contrôlé, mais on contrôlera tout après là, parce que faut maintenant que je me remette de tout ça. Quoi. On enchaîne avec un fameux Y, qui nous aurait pas manqué s'il n'était pas venu. On l'aura quand même dans Olympe, et puis c'est tout. Mais c'est normal, c'est un Y. Alors, on continue avec le M. Le moisi. Dans Monarque, on en a un. Et puis lumière, ici. Et puis par contre, on touche plus à mon bonus. Merde, merde, merde. On continue avec la lettre Q. Bon, je vais pas la faire à chaque fois. Dans lexique, ainsi que esquif, de nous esquifons. Et dans quiétude. Oh, tant que j'ai mis. Voilà. On enchaîne avec la lettre B. Dans belle, dans ce mot-là, dans tribu. C'est tout. Je sens que c'est mal barré pour mon bonus. Pas de lettre B dans la deuxième grille. Et puis là, on l'aura dans le mot ébène, ce qui est déjà pas mal. Hein, parce que généralement, on se rapproche de la fin. Et puis là, c'est là qu'il donne de moins en moins de lettres. Mais bizarrement, on continue à gratter. Alors, on y va. Voilà. Le X, mais bon, on l'a dans lexique et puis aussi dans le mot luxe. Et évidemment, on n'ira pas plus loin avec ce X. Allez, on continue. Avant-dernière lettre. Tiens. Le Z, alors normalement il n'est pas trop dur à trouver, puisqu'on l'avait déjà cherché tout à l'heure dans le mot zen. Et puis bah pour le Z, c'est pas la peine de s'affoler. Oh si, on l'a dans zone, waouh. Bon, alors du coup, maintenant il me faudrait un N, ou un L, ou je sais pas quoi. Allez, on s'en fout, on gratte, et puis on verra bien. On a un F, alors le F, on l'a dans fête. J'ai l'impression que ça m'a fait un mot là d'ailleurs, fête. Ah, j'ai un mot là, ah ouais. Alors on verra après si j'en ai deux, mais je crois pas. Dans la deuxième grille, on l'a dans parfait. Mais je crois pas que ça nous change grand chose. Et dans la troisième grille, on n'aura pas de F du tout. Alors, voilà pour ce ticket. Donc maintenant, bah, si on contrôle vite fait,
Dans la première grille, on a un mot, c'est le mot fête, et puis c'est tout. Et il faut deux mots, donc là, ben, je suis baisé. Si je regarde dans la deuxième grille, je crois qu'on est loin de... Non, c'est même pas la peine d'en regarder, il n'y a rien du tout. Et puis dans la troisième grille, ben, c'est la même chose. Quant à mon bonus et au jeu numéro 2, c'est baisé. Allez, le deuxième ticket de méga mots croisés est la dernière chance pour moi de gagner quelque chose sur tous ces tickets. Allez, c'est parti. Première lettre, la lettre H. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Même chose que l'autre ticket. Bon, eh ben tiens, on va déjà le gratter ici, là, et c'est déjà pas mal dans le mot OU. Est-ce qu'on va le trouver dans la case numéro 1? Non, pas de H dans la case numéro 1. On en aura un ici dans théâtre, case numéro 2. Et puis, c'est tout pour la case numéro 2. Et puis, pas de H. Ah si, pardon. Dans échevaux, case numéro 3, et puis the hen, ou T, c'est vous qui voyez, dans la case numéro 3. Deuxième lettre avec un N, dans entrepôt et numéro, dans transmis, on l'a maintenant dans soin et dans urne, dans nez et dans nuit, et dans noce. Ensuite, dans la grille numéro 3, on l'aura dans les bananes, et dans une. Troisième lettre, la lettre V. Tiens, on a tout de suite des lettres de merde. C'est peut-être bon signe. D'ailleurs, la lettre V, pour l'instant, pas de lettre V dans la grille numéro 1. Une lettre V ici dans avoue ou avoué. Et on en aura une ici dans valet. Je serais franchement très surpris d'en trouver encore une. Ah si. Échevaux. De nouveau. Alors ça, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je sais même pas si j'ai envie de savoir. Alors, maître Douchet, si jamais, à ton dictionnaire, on attend les définitions dans les commentaires. Quatrième lettre, avec un S, le S de il, pardon. Alors là, j'ai vraiment eu du mal. J'ai bugué. De fer, donc c'est du fer, hein, je pense que c'est le métal au pluriel. De sobre, et sous. Sobre ou sous, hein, ben ça dépend. Et puis, on le voit aussi dans transmis. Et si on continue dans la grille numéro 2, on l'a dans existe, et aussi justesse, dans le mot est. Ah bah du coup, justesse, ils sont mis deux aussi, ah bah dis donc, oulala, les S là, c'est parti, théâtre, et puis E, on l'a aussi à la fin du mot nuit, et puis au début du mot soin, et à la fin du mot nez, d'accord, et puis je crois que ça va s'arrêter là déjà pour les S, et on a enfin un S dans le mot dorsal de mon fameux bonus, et dans la troisième grille, pas de S. On continue, cinquième lettre, bah voilà, un X. Ils vont tous nous les mettre au début. Dans le mot taxi ou luxe, on en rêve. Et on enchaîne direct avec la lettre F. La lettre F qu'on va trouver dans fer, au pluriel, et fêter. Ainsi que dans le mot trèfle, deuxième grille. Et c'est tout pour la lettre F. Allez, allez, le mot, la lettre T, dans entrepôt, et dans transmis, dans taxi, et puis quitte deux fois. Ainsi que bête une fois. Dans jet, privé, c'est quand qu'on s'en paye un. Et puis le mot théâtre, le mot est, le mot trèfle, le mot nuit, et c'est tout. Le jeu numéro 2 est le bonus, toujours rien. Ensuite on a dans valet, été, et puis ici, dans galante, et ça ira bien pour la lettre T. Avant-dernière lettre de la première grille avec la lettre P, dans parure. Et puis pour les P, j'ai pas l'impression qu'ils ont été très généreux, à part si dans pique, pardon. Mais en effet, ils sont assez radins avec cette lettre. Dernière lettre de la première ligne et le Q pour finir cette première ligne. Dans le mot kit, un seul Q dans ces trois grilles. Eh ben vivant. Allez, on attaque la deuxième ligne avec la lettre C qu'on trouvera dans NOS, jeu numéro 2. Et puis la lettre C, où es-tu? Ah, enfin une dans la grille numéro 3, le mot pique. Achevons. De nouveau. Ceci, ils en ont mis deux. Et donc ça en fait un pôle mot cru. Et puis c'est tout pour la lettre C. Allez, le R, de nouveau dans entrepôt, les rues, ainsi que lumière et numéro. Et j'enchaîne avec sobre, je continue avec le mot riz, ainsi que fer et transmis. Et ça, c'est pour la première grille, R1. Et pour le R, dans la deuxième grille, on l'aura dans parure, urne. Il y a toujours une lettre que tu grattes un foison. Théâtre, trèfle et dorsale, enfin une lettre dans mon bonus. Merci, merci. Redirige, ainsi que crédible, cru. Et bah dis donc, le R, je crois bien que c'était la lettre du jour. Allez, on enchaîne avec la lettre D qu'on va trouver dans mon fameux bonus. Allez, il me reste 6 lettres à gratter, j'aimerais vraiment tomber sur ce bonus. La lettre D, on l'aura dans dégel. J'espère que je l'aurai avant le dégel. Et puis c'est tout pour la lettre D. Non, pardon.
redirige ici. Ça y est, je commence à oublier des lettres. On continue, la lettre G, et puis la lettre G, on va la voir dans Gala, deuxième grille, redige, galante, et c'est tout pour la lettre G. Allez, on gratte nos cinq dernières lettres avec la lettre J ou Ij, qu'on trouvera dans Jet et dans Justesse, et aussi dans Je. On continue avec la lettre B, dans Sobre et dans Bête, et un dans Banane et dans Crédible. Avant-dernière lettre, avec le A, dans Transmis, Taxi, Parure et Avoué, Théâtre, Gala 2, Dorsal, mon fameux bonus, que je ne toucherai pas, puisqu'il reste deux lettres à découvrir, et ça m'étonne qu'il me donne le O et le R. Et puis on aura le A ici, dans Valet, Galante deux fois, Banane deux fois, et c'est tout. Avant-dernière lettre, un U, j'en ai deux ici, un autre dans Lumière, Kit et Sous, Parure, Urne, Justesse, E, Je, voyons qu'est-ce qui leur arrive avec le U, Lui, Luxe, et Une, Cru, et où j'en oublie le numéro 2. Donc ben, pour le U, c'est plutôt pas mal. Et puis la dernière lettre, on va pas faire traîner le suspense, ça sert à rien. Et on y va avec un I. Alors, j'ai bien l'impression qu'il va rien nous ramener. En tout cas, pour mon bonus et le jeu numéro 2, c'est cuit. On va quand même le gratter ici dans Île, Lumière, Kit, et puis Taxi, donc qui nous fait un mot, mais d'après ce que je vois, dans la première grille, on n'aura qu'un seul mot. Ah ouais, parce que là, ils n'ont pas été foutus de me donner le... Du coup, j'en lâche la pièce. Alors, deuxième grille, on va s'occuper des I dans Soin, ce qui n'amène rien, existe, non plus, nuit, la déchéance, et c'est tout. Et puis, dans la troisième grille, on nous fait un mot avec le mot pic, ici, mais il nous manque toujours la lettre E, ceci, et puis ici. Donc bah voilà, on en termine enfin avec ces deux méga mots croisés, et puis bah, c'est bien dommage, mais il n'y a rien du tout. Que dalle, nada, zéro. Voilà, c'en est enfin fini avec ces mots croisés qui m'ont rien rapporté. Mais par contre, on n'oublie pas les deux tickets x20 qui eux m'ont rapporté 20 euros. Plutôt cool. Alors Fabien, encore une fois, merci à toi, parce que 40 euros de ticket, bah, c'est quand même pas rien. Donc ben du coup, une fois n'est pas coutume, je suis encore gagnant de 20 euros, ce qui est plutôt assez rare sur cette chaîne. Et oui, puisque comme je l'avais dit dans la première vidéo du courrier des abonnés, comme c'est pas moi qui ai investi pour acheter les tickets, je suis forcément gagnant, peu importe la somme que je gagne. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui m'envoient ces petits courriers, c'est vraiment sympa. Et pour tout le monde, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !